est celui qui règne à jamais, le Dieu sur le trône. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Jamais
élevé au-dessus de tout l'univers, tu régales jamais. Oh, 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 tu régales jamais. Nous reconnaissons que tu es le Dieu élevé. Rien ne peut te contourner, rien ne peut te surmonter. Tu es celui qui est assis sur son trône de gloire et tu règnes pour l'éternité. Ce matin, Seigneur, nous prosternons nos cœurs, nous prosternons nos vies et nous venons t'adorer, toi le seul, le véritable Dieu. Oui, Père d'amour, Père de grâce, que l'honneur te revienne ce matin, que l'adoration soit pour toi ce matin. Tu règnes à jamais. Que tu peux dire, tu règnes dans mon cœur. Oh, 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 tu règnes dans mon cœur. Oh, 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 tu règnes dans mon cœur. Tu règnes à jamais.
dans mon cœur, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Dans ma vie, tu règnes à jamais. Sans dans ce lieu, tu règnes à jamais. Dans ma famille, tu règnes à jamais. Dans mon cœur, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Saint-Esprit, tu règnes à jamais. Nom de Dieu, tu règnes à jamais. Ô roi des rois, tu règnes à jamais. Oui, prince de paix, tu règnes à jamais. Le roi, le lion de Juda, tu règnes à jamais. Ne peut être enlevé, arraché, car tu sièges sur ce trône, Seigneur, avec puissance et gloire pour l'éternité. Oui, que ton règne seul soit manifeste dans ce lieu. Que ton règne soit manifeste dans nos vies, dans nos cœurs. Rien que ta présence, rien que ton esprit, Seigneur. Rien que ta présence en ce lieu, dans nos vies. Rien que ton esprit, Seigneur. Rien que ta plénitude, Papa. Pour nous remplir ce matin, pour nous conduire dans la prière en ce lieu, rien que ta présence, rien que ta présence, Yahweh, rien que ta présence. Chetarabosi tekelelebosana, toi qui es assis sur ton trône de gloire. Oui, tout l'univers, Seigneur, tout mon être, tout mon cœur, tout dans ce lieu, Seigneur, est rempli de ta présence, est rempli de ta vie, est rempli de toi, Seigneur. C'est pourquoi je ne peux m'arrêter, Seigneur, dans ta présence, mais je veux continuer de bénir, Seigneur, ta présence. Je veux continuer de lever, Seigneur, ta présence. Je veux continuer, Seigneur, de t'adorer. Merci Seigneur. Shalalabosa taralabara. Le brandolobosi karabayande le bosha. Shete le bosha kandarababosi kelimaide le bosha. Maide riprosi tarabashe kele bosha. Là dans sa présence, tu l'adores ce matin. Laisse que ton cœur l'adore ce matin. Tu reconnais sa présence en toi. Tu reconnais la présence de Dieu avec toi ce matin. Bénis simplement Dieu ce matin. Pendant que tu le contemples ce matin, donne-lui la
adoration, donne-lui la gloire ce matin. Je te célèbre de tout mon cœur. Toi, le Dieu souverain, celui qui est venu habiter en moi, établis sa demeure. Que tout en moi te glorifie ce matin. Je célèbre ta gloire. Oui, Seigneur, toi qui m'as appelé, le premier qui m'a choisi pour que je porte ta fille, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans ma vie ce matin. Que ton nom soit sanctifié dans ce moment, ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Reçois l'adoration, Seigneur, de tes rachetés ce matin. Reçois, Seigneur, l'amour, Seigneur, et la reconnaissance qui monte dans nos cœurs pour toi ce matin. Que cela monte comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, que tu as créé. Car ta présence, Seigneur, est celle qui nous suffit. C'est dans ta présence et parce que tu es là, Seigneur, que nous pouvons t'adorer. Tu es le Dieu véritable. Dans ta présence, nos cœurs s'inclinent. Lorsque tu envahis un cœur, Seigneur, il déborde de toi. Il déborde d'amour pour toi. Il déborde d'adoration pour toi. Il déborde de louange pour toi. Lorsque tu remplis un cœur, Seigneur, tu es souverain et nous élevons nos cœurs pour t'adorer ce matin. Car tu es le Dieu vivant au siècle des siècles. Gloire, gloire. Souverain.
gloire. 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 Yeah.
Ce matin pour encore élever notre Dieu. Élevons donc la voix et bénissons-le pour sa présence. Il est en nous, il est avec nous. Soyons conscients de cette présence et commençons à l'exalter. Commençons à la bénir, à la glorifier parce que notre Dieu est réellement là. Il a dit qu'il est en nous, Jésus l'a dit dans Jean 14. Il dit l'Esprit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il sera avec vous et il sera en vous. Alors bénis le Dieu qui est en toi, le Dieu qui vit en toi, le Dieu qui règne en toi, le Dieu qui existe et qui est en toi. Excellent Père, Dieu d'amour et de grâce, ce matin nous bénissons ton nom, nous te louons et te glorifions Seigneur, nous célébrons Seigneur ta présence au milieu de nous, ta présence en nous et avec nous. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Continue de l'élever, car dans sa merveilleuse présence, pendant que toi tu dormais, il était éveillé à te garder, à te veiller, à te protéger. Bénis-le. C'est cette présence-là qui t'a préservé de tout mal. C'est cette présence-là qui a mis en fuite tes ennemis, tes adversaires qui sont venus contre toi. Visiblement comme invisiblement, il les a mis en déroute et il a empêché qu'ils puissent porter la main sur toi. Alors remercie-le pour sa glorieuse présence qui est en toi et avec toi et qui est ta capacité, qui est ton bouclier, qui est ton refuge, qui est ton abri sûr. Excellent Père, il convient de te bénir et de te louer, de te célébrer, de te rendre honneur et gloire. Car Seigneur, c'est dans ta glorieuse et merveilleuse présence, Seigneur, que tu nous gardes dans le sommeil, Seigneur, inconscient de toutes les réalités physiques, spirituelles. Tu es le Dieu par qui nous existons et grâce à qui nous sommes. Tu es celui qui nous garde, qui nous protège. Tu es celui par qui, Seigneur, nous vivons et nous te bénissons
parce que tu nous as encore donné ce jour. Tu nous as fait la grâce de nous réveiller de nos sommeils. Tu nous as fait la grâce, Seigneur mon Dieu, de nous tenir en ta présence. Tu nous as fait la grâce, Seigneur Saint-Esprit, de pouvoir être en mouvement, Seigneur mon Dieu, et pouvoir aller vaquer à ce à quoi nous sommes appelés. Nous voulons te dire tous nos remerciements. Nous voulons te dire combien nous sommes heureux de t'avoir. Oui, dans Jean 14, en son verset 17, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je suis avec vous, je suis avec vous. » Alors bénis le Père qui ne t'a pas laissé orphelin, orpheline. Il est avec toi, il est là comme un père pour t'accompagner, pour te protéger, pour pourvoir à tes besoins. Bénis-le pour la provision surnaturelle qu'il met à ta disposition chaque jour pour que tu ne manques de rien. C'est pourquoi il dit qu'en Christ, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions pour s'assurer que tu ne manques de rien. Tu ne sois jamais dans le manque. Lebra katosiata. Oui, excellent papa, il est bon de te bénir et de te louer, car tu es le Père qui est en moi. Tu es le Père qui vit en moi. Tu es le Père qui ne m'a pas laissé seul, le Père qui ne m'a pas laissé orpheline. Tu es avec moi, tu es en moi, tu demeures avec moi. Oui, papa, mon âme te bénit parce que je ne suis pas une orpheline livrée à n'importe qui. Une orpheline abandonnée, Seigneur éternel, qui n'a personne pour défendre ses droits, qui n'a personne, Seigneur, pour la garder ou la protéger. J'ai mon Père avec moi, j'ai mon Père en moi, j'ai mon Père qui joue et nuit me veille. Oh papa, sois béni, sois loué. Bien-aimé, pendant que tu fais ce verset, tu pries avec ce verset, vois comme un père garde son enfant. Regarde la différence avec l'orphelin qui n'a ni père, qui n'a personne, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas, oui, quelqu'un qui pourvoit ses besoins convenablement. Mon frère, ma soeur, Dieu dit tu n'es pas orpheline. Cela veut dire que pour ce qui concerne tes besoins matériels, physiques, financiers, il est le Père qui pourvoit. Ce qui signifie concernant ta protection face aux adversaires visibles, invisibles, physiques ou spirituels, tu as un papa qui te défend, qui te garde. Concernant ta destinée, il dit tu n'es pas comme Israël qui dit oh, ma destinée est cachée. Non, ta destinée n'est pas cachée à ses yeux. Il sait tout te concernant, il voit tout te concernant, il connaît tout te concernant. C'est pour cela qu'il peut agir de manière prévenante et prévoyante. Il agit avant même que les choses n'arrivent. Il devance les temps, il devance les saisons, il devance les événements. Il prépare pour toi toujours un banquet de victoire. Il dresse toujours pour toi une table de victoire parce qu'il ne veut pas que tu sois dans la confusion ni dans la honte. Bénis ton papa donc, qui est un papa prévenant, prévoyant, qui garde ta vie et qui veille à ce que tu ne manques de rien. Bénis-le pour la provision surnaturelle, la provision divine qu'il met à ta disposition. Oh, sakaboriakata, ibrente, sibrakotu barakate, shababa kilibarakatum barakate. Excellent papa, il convient de te bénir, de te louer, de t'adorer, de t'exalter. Car Seigneur, tu es le Dieu qui prend soin. Prends soin de tes enfants. Merci Seigneur, car tu n'as pas laissé mon frère, ma soeur, comme des orphelins. Chacun, Seigneur mon Dieu, a une valeur spéciale devant toi. Béni sois-tu, Père, de ce que tu disposes, ta provision surnaturelle, cette provision divine, à la merci de chacun de nous, à la disposition de chacun de nous, afin que nous ne manquions de rien, afin que nous jouissions de toutes ces grâces, afin que nous puissions profiter de tous ces biens. Béni sois-tu, tu Père éternel. Ô roi, calibrono sa caperia kata, limbre neboloto sa caperia kalunusi kata lararabe, yekere de broto suba kata, ô corianda lararababe. Continue de remercier le Père qui a pour toi, mon frère, ma soeur, une provision qu'il appelle une bénédiction. Il dit dans Éphésiens 1, verset 3, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors toute cette provision surnaturelle, toute cette bénédiction, c'est en Christ qu'elle est déployée, qu'elle est manifestée. Alors bénis le Père de ce qu'il t'a positionné en Christ pour te donner d'être un ayant droit, pour te donner d'être un bénéficiaire, pour te
donné d'être, oui, mon frère, ma sœur, celui-là, celle-là qui peut jouir désormais des biens, des richesses du ciel. Bénis Dieu donc qui t'a positionné en Christ pour que tu aies accès à toutes ces bénédictions. Oui, mon frère, le Makarianda, il t'a béni en Christ. Il t'a choisi pour être un béni en Christ. Il t'a élu pour que tu sois un béni en Christ. Il a fait de toi fils, fille du royaume pour que tu sois un béni, pour que tu jouisses des biens du pays, du royaume de Dieu. Alléluia. Kebra kotusiyakata. Bénis-le, remercie-le. Dis-lui, papa, merci. Merci pour toutes les grâces que tu as pour moi. Merci pour toutes les bénédictions que tu as pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as mis à ma disposition, Seigneur, et qui me permet de jouir de la vie, de jouir de toutes sortes de grâces. Remercie ton papa. Colossiens 1, 12 dit qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, tu n'étais pas capable, tu n'en étais pas digne, mais voici, il t'a rendu capable en Christ, en te permettant, mon frère, ma soeur, de naître de nouveau, de naître d'eau et d'esprit, de naître de la parole et de l'Esprit de Dieu, mon frère, il t'a rendu capable. Ma sœur, il t'a donné le droit, il t'a donné la permission, il t'a donné l'autorisation, toi aussi, d'accéder aux richesses du Père. Cabranosiata. Excellent papa, je veux te dire merci parce que tu m'as fait naître dans le royaume par Jésus-Christ. Tu m'as accouché dans ta parole et par ton esprit. Et tu as fait de moi un fils du royaume. Et en tant que fils, tu as fait de moi une héritière, un ayant droit. Droit à la richesse de Dieu, droit aux ressources divines, droit aux ressources de Dieu. Droit, j'ai droit, Seigneur mon Dieu, à tout ce qui est de toi, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu as. Oui, Père, désormais, je suis un ayant droit. Oui, Père, pour cela, je veux te bénir et te louer, car tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, j'ai droit à l'héritage. Madeseke bokoria katumbrakate, rebababarada borokoto, shibarakate, yekiribrangando zubakaria kaperia kalutusiate, rende barakatoria nabarakata. Il dit dans son héritage, cet héritage est riche et glorieux. Ephésiens 1, verset 18. Mon frère, ma soeur, dis à Dieu merci pour l'héritage qu'il t'a donné. Ce n'est pas un héritage de dette, ce n'est pas un héritage de maladie, ce n'est pas un héritage de problème. C'est un héritage, il dit, qui est infini, qui est riche, qui est glorieux, qui t'appartient, qu'il t'a réservé parce que tu es un saint. Il t'a réservé. Regardez le mot réservé. Il a mis de côté pour toi. Il a mis ça à part pour toi. Nakabotosiata. Il a réservé pour toi. Bénis-le, mon frère, pour l'héritage riche, pour l'héritage glorieux, pour l'héritage infini que le Père a pour toi. Oh, remercie-le dans cet héritage, ma soeur. Mon frère, tu peux te réjouir. Oui, tu peux crier de joie. Oui, tu peux dire Alléluia. Parce que cet héritage contient tout ce dont tu as besoin pour vivre ta vie chrétienne, dans la victoire, dans la sérénité, dans l'assurance, dans la paix et dans la joie. Kanepoto sekete bakunta, rili balaka katumbro koto sokotari akabeli kaloto siata. Rekete baranda bolokoto, luto siakaperiande, shekete lerere barakata. Oh, excellent Père, lima karianda. Oui, communie avec papa, communie avec lui. C'est la communion du Fils, la kabrokoto, où le Père parle au Fils. Il est heureux d'être en relation avec lui, heureux de savoir que le Père lui a réservé un héritage qui est colossal, un héritage qui est infini, un héritage qui est indescriptible, inquantifiable, mon frère et ma soeur. Communie avec le Père, dis-lui, papa, tu es riche et tu es si prévoyant pour moi. Je ne peux comprendre comment tu penses tant à moi. Tu fais tant de grâces pour moi, tant de merveilles pour moi, jusqu'à réserver l'héritage si glorieux pour moi. Oui, quelle merveille, quel privilège, quelle grâce j'ai. Seigneur, mon âme est dans la joie et je te bénis, mon papa. Je t'élève en dignité car tu es au-dessus de tout. Tu es ma priorité. Tu es mon or, mon trésor, mon argent. Alléluia.
je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute ma force, je t'aime Père Céleste. Iba kaliando kelele brokoto sika periangutuziata. Rinda brokoto siate. Rekete telerele boloto siata. Makaliando koriakatu subarakate. Yerele barakatonto. Lebrana barakatumbro no siate. Rebabababarada borokoto siata. Oh merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Quelle grâce, quelle merveille. Rekete brokoto loro do balakata. Ibrono siata. Mukutu balakatere yangada. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Regarde ce qu'il dit dans Galates 6, en son verset 15. Il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu, ce qui est à considérer, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois une nouvelle créature, que tu sois converti, que tu sois converti en un autre, que tu sois converti en une autre, que tu sois une créature totalement nouvelle. Alléluia. Pour qui les choses anciennes sont passées, y compris le caractère passé, y compris les habitudes malsaines et charnelles et mondaines, qu'elles soient passées, qu'on te regarde et qu'on voit une autre, qu'on découvre une autre créature, une autre personne. Alléluia. Alors bénis Dieu de ce que tu n'es pas qu'un simple héritier, tu n'es pas que simplement né dans le royaume, tu es une nouvelle créature. Et c'est ça qui a du prix aux yeux de Dieu. Parce que beaucoup naissent dans le royaume et ils restent dans leurs habitudes. Ils restent dans leur vaine manière de vivre. Ils restent dans leur caractère belliqueux, leur tempérament. Oui, qu'on ne peut même pas décrire. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature qui doit être est née à l'intérieur, mais elle doit refléter l'extérieur. C'est pourquoi on parle de conversion. Conversion parce que tu changes d'état. Amen. Quand on prend l'eau, quand il se convertit en solide, il change d'état et de forme, de sorte que les yeux physiques voient qu'il a réellement changé. Amen. On regarde aussi dans son intérieur, il a également changé. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu attend de nous. La conversion doit nous faire passer d'un état A à un état B. Elle doit nous faire passer d'un état physique à un autre état physique. On te voit, on doit dire il y a changement. Alléluia. Alors ce matin, élève la voix et bénis Dieu de ce qu'il fait de toi une nouvelle créature. Et si tu regardes qu'il n'y a pas cette conversion, tu vois, il dit ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Pour ceux qui mettent l'accent sur les œuvres, sur la chair, il dit ce n'est pas qu'on est ton test circoncis ou pas. Non, ça c'est les juifs. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils ont connu toutes ces étapes-là avec lesquelles Dieu avait établi l'ancienne alliance avec eux. Il dit maintenant dans le régime de la grâce, dans la nouvelle alliance, il ne s'agit pas de choses physiques, il ne s'agit pas de choses dans la chair. Il s'agit de l'état de ton cœur, l'état de ton cœur qui est passé d'un état païen, d'un état belliqueux, d'un état charnel, d'un état d'animosité à l'état de Christ, à l'état spirituel, à l'état des fils de Dieu, à l'état qui a l'image de Christ, le Fils, le premier-né de la nouvelle création. Alléluia. Alors bénis Dieu et rends-lui grâce de ce qu'il a fait de toi une nouvelle créature en Christ Jésus. Oui, Père Céleste, ce matin nous voulons te dire merci parce qu'en Christ, tu as changé nos cœurs, tu as changé nos pensées, tu as changé nos âmes, tu as changé tout en nous. Tu as fait en sorte que, Seigneur, nous soyons transformés, nous soyons changés. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la nouvelle créature que nous sommes devenus en Christ. Cette nouvelle créature à l'image de Christ, cette nouvelle créature qui se transforme et se renouvelle à l'image de Christ, cette nouvelle créature, Seigneur, qui a les habitudes de Christ, cette nouvelle créature qui parle comme Christ, cette nouvelle créature qui a les pensées de Christ. Oui, Seigneur, tu pouvais dire, ayez en vous-même les pensées qui sont en Christ, qui a les sentiments de Christ, comme tu le dis dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, cette nouvelle créature a les sentiments modestes, les sentiments humbles, les sentiments d'amour, de compassion de Christ. Cette nouvelle créature
Ramo kotosiata, o kalundu simba, karianda boro kotosia kataberekete, iriba kutu sumarakata, rabababara katosia katalarababe, o Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il décrit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, se rendant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié et il est allé à obéir. Oh mon frère, ma soeur, c'est ça la nouvelle créature. Paul nous dit dans Romains qu'elle est à image de Jésus-Christ et qu'elle se renouvelle pour lui ressembler davantage. Cette nouvelle créature, voici les sentiments qui étaient en Christ, qui doivent être en toi en tant que nouvelle créature. Quelqu'un d'humble, quelqu'un d'obéissant à Dieu, quelqu'un qui s'est dépouillé de son titre, de ses fonctions, et quand il vient à l'église, quand il est au milieu des siens, il est là comme un simple homme, il est là comme une simple femme, quels que soient les titres, quelles que soient les fonctions, quel que soit l'argent, quel que soit le pouvoir, elle est là comme un simple homme. Oh mon frère, ma soeur, voici les sentiments qui étaient en Christ. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Alors dis-lui, Seigneur, en tant que nouvelle créature, aide-moi, Seigneur, à vivre cette vie de simplicité, cette vie d'humilité, cette vie d'obéissance. Kamotosika peria katumbarakata. Yekete brokoto rundu brakata lekete barata sakaborokoto siate ibrano berekete telerere boroto sakaperia kantulurudu bre. Tu es une nouvelle créature à l'image de Jésus, à l'image de Christ. Kabokoria kante sikaperi kalundu barakata yekerere brono kiri de barakata rende brokoto su barakate ibarakatari anda bruto siate. Oh kali kaluntu brakata sikata lararababe mbekete brokoto sumarakata. Merci Seigneur. Makarianda ribrokoto. Oui, il nous a appelé, nous, à prédestiner, à devenir semblable à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né, le premier-né, lui le premier-né de toute la nouvelle création. Nous devions tous converger vers lui. Nous devions tous lui ressembler. Alors mon frère, ma soeur, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Dans Romains 8, en son verset 29, la partie B, il dit oui, il nous a prédestiné à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il nous a donc prédestiné à être semblables à l'image de son fils, semblables à l'image du fils, le premier-né de la nouvelle création, celui-là qui est la tête et dont nous sommes le corps. Nous devions lui ressembler, mes amis. Alors dis à Dieu ce matin, je veux réellement ressembler à Jésus dans mes paroles. Alléluia. Que tes paroles soient douces, assaisonnées de sel, remplies de politesse, d'humilité, de simplicité. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère et ma soeur. Dis-lui, Seigneur, comme Christ, moi aussi, je veux avoir un langage qui est Dieu, un langage qui démontre l'humilité, là, qui démontre l'amour, la douceur qui est en moi. Makarianda brokoto siata. À l'image de Christ, toi aussi, tu veux développer des sentiments d'humilité à l'endroit de tous, même de tes serviteurs, même de tes employés, de tes collègues, de tes servantes à la maison. Tu veux être une femme, un homme humble, humble comme Christ. Il a dit dans Jean 13 à ses disciples. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur. C'est vrai, mais regardez, je m'humilie jusqu'à vous laver les pieds. Il dit, ainsi vous aussi vous deviez faire entre vous. Alléluia. Voici ce que notre Seigneur est. Il s'est humilié lui-même. Il a descendu son vêtement. Il l'a inséré d'une serviette et il a lavé les pieds des disciples. Alléluia. Et il nous dit, c'est un exemple à suivre. Ce qu'il a fait, c'est pour que nous puissions copier ce modèle. Dans Jean 13, oh macabro koto si akata la rabe.
Rekete brokoto si akanta shana la rarabe ibakutu brakata si kanto lororobobo. Jean 13:13 il dit, mais vous m'appelez maître seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fussiez, vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Kebronosiakata. C'est ce que le Seigneur attend, mes frères et mes sœurs. Tu es une nouvelle créature. Tu dois être à l'image de Christ. Il ne s'agit pas de le dire dans la bouche. Je suis une nouvelle créature en Christ. C'est vrai, c'est une belle proclamation. Mais cela a des incidences. Cela demande des actions. Cela impose un style de vie. Cela demande, mon frère, ma sœur, que tu aies une qualité de vie qui est exigé par le royaume. Sinon, ça ne sert à rien de déclarer je suis une nouvelle créature. Lima karianda brokotosiata. Quelqu'un peut continuer de dire à Dieu, oh Seigneur, aide-moi, moi aussi, à faire comme toi. Laver les pieds, c'est vrai. Ce n'est pas que je vais aller attraper tes pieds pour les laver, mais c'est dans l'humilité. L'humilité qui me fait te regarder comme un maître, comme un chef. Et même si j'étais au-dessus de toi, mais je peux te servir. Même si j'étais plus âgé que toi, je peux te donner de l'aide, je peux t'apporter mon soutien. L'humilité qui te fait regarder les autres avec respect et leur donner le respect qu'ils méritent, quel que soit leur âge, quelle que soit leur position sociale ou professionnelle. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Jésus veut nous dire. Il est le maître, mais il s'est abaissé comme un serviteur. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu attend cela de la nouvelle création. Il dit, si vous le faites, l'on saura que vous êtes réellement mes disciples. Il ne suffit pas de connaître, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Vous êtes heureux si vous pratiquez. Oui, Jean 13, verset 17. Vous êtes heureux si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que vous avez appris de moi. Ranoba karianda libro kotosikata makunba kiliba kotosikaperi karanta. Oui, ma soeur, mon frère, ce matin, dis à Dieu, est-ce que quand tu regardes ta vie, tu ressembles à Christ? Est-ce que quand tu regardes ta vie, ma soeur, tu ressembles à Christ? L'humilité de Christ, on peut lire ça en toi. Alors ce matin, je t'en prie, humilie-toi devant Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'entrer dans une nouvelle étape dans ma marche chrétienne. J'ai besoin de connaître cette saison nouvelle dans laquelle ma vie va vraiment ressembler à Christ, où je vais pardonner facilement. Oui, regardez à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a donné le pardon au plus profond de la douleur, dans la profonde douleur, là où il avait le plus mal. Il n'a pas attendu, il n'a pas dit non, ça là, non, il a pardonné. Si nous disons que nous sommes de nouvelles créatures, à l'image de Jésus, le Fils, le premier-né, mes soeurs, mes frères, nous devions aussi pardonner. Nous ne devions pas garder rancune. On ne doit pas être prêt à pointer le doigt. On ne doit pas être prêt à menacer les gens. Oh, la Bible nous dit dans Pierre, il dit, il n'a fait aucune menace. Il n'a même pas bronché. On l'a traîné comme un agneau. Oui, pour aller le crucifier, il ne s'est pas débattu. Il n'a menacé personne. Il n'a levé le doigt contre personne. Il est resté et il a été conduit par ses bourreaux jusqu'à la crucifixion. Mes amis, ainsi, il nous demande, nous aussi, d'être des hommes, des femmes, sans palabres, sans problème avec les uns et les autres. Alléluia. Alors ce matin, regarde ta vie et là où tu sais que tu n'as pas encore atteint cette dimension de la nouvelle création à l'image de Christ, dis-lui, Seigneur, Seigneur, je veux y arriver. Je veux y parvenir moi aussi. Seigneur, aide-moi. Ma karianda rede boto, suba karianda ba karianda barakate, e keliambrono subrakata barikato malakata. Oh socorro de brakante riba baba baba, rimilikatu malakata rababerekete, e kere de brono kuduba katala rabe, rekeleri di brokondo sia katara baba, ma karianda brekete telere de bolo.
lokoto utusi kantu marakatiri di barakatari anabrongonto shekata barakata kalia karundu brente lekiri ambrono siata karia labokoto rodobokoto loria barakate. Oh merci Seigneur kabakili bakundu siata brekeria brono sikata larabe rini balakakatulu rudubrante rima mama karanabele kete rando sika parika luntu brakata rabele kete limo koria karudu balakate. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit rakatu barakata larababe keriandu barakata yikiliri brokoto. Oh sarid balakata larabele kete rindi brono bakarianda. Béni sois-tu, gloire, honneur et louange à toi, Seigneur éternel. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Père. Regardez toujours la nouvelle créature. Dans 1 Pierre 4, il dit ainsi donc. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la pensée de souffrir, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Tu vas également prier. Ah, beaucoup de chrétiens n'aiment pas souffrir. Hein. Quand il y a un peu de difficulté, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu aussi de t'armer cette parole-là. Tu vas prier ça pour ta vie. Prie et demande au Seigneur de te préparer, de te armer, de t'équiper, de t'aider, de te donner ce courage pour que quand des moments difficiles viendront, ça ne soit pas une occasion de chute. L'occasion de chute, ce n'est pas que tu quittes l'église forcément. Tu es dans l'église, mais tu es dans une occasion de chute parce que tu vas te mettre à faire palabre à tout le monde, à juger tout le monde, à traiter les uns les autres de ci et de ça. Parce que toi, tu as eu un problème. Tu n'as pas vu tout le monde autour de toi. Alors, c'est devenu un problème. Tu viens à l'église, tu regardes les gens de haut, tu les juges. Amen. Voici une occasion de chute qui est là. Alléluia. Donc pour certains, l'occasion de chute va plus loin. Ils vont jusqu'à quitter leur communauté. Pour certains, pour rejoindre d'autres. D'autres pour s'asseoir carrément à la maison et rétrograder. Alors ce matin, on va prier ensemble et dire au Seigneur, aide-moi Seigneur, à moi aussi m'armer de la même pensée que toi, la pensée de souffrir. Prions mes frères et sœurs. Librato sacaperia caranda bronto. Lutu shabarakata. Reketere de brokoto lororobobo. Rimakata si katalarabe. Reketere de brokatu sinta. Limakuntu brunu si katalarine marakante. Rekete brokoto lika barakata. Okorianda larababariamba lokoto siata. Mperiandu brakate. Mkiridi barakata. Rundu si kaparia katalarabele kete. Oh Seigneur Saint Esprit, ikiri de balakarund brakatari de berekete, le matosukutu brakatala rababa, keria du brakatala rabe, otosi karudu brakata, lima kuntu sukutu lurudu barakate, keriandu brakata, quelle que soit la fournaise, quel que soit le feu de l'épreuve, quel que soit les vents, les tempêtes, oh papa, donne-nous d'être armés de la pensée que la persécution peut arriver, la tribulation peut se présenter, des problèmes peuvent se venir. Saint-Esprit, que cela ne soit pas une occasion de chute, une occasion de faiblir dans la foi, une occasion de murmurer, de nous plaindre, de condamner, de juger, une occasion de calomnier, de médire. Oh Seigneur Saint-Esprit, que nous soyons Seigneur armés de telle sorte que quelle que soit l'épreuve, nous gardions nos cœurs en paix, nous gardions nos paroles dans la douceur, nous gardions nos cœurs dans l'humilité. Seigneur, nous marchions dans l'amour. Limakarada brokotosiaka. Aide ton peuple, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur. Père, fortifie-nous, équipe-nous, Seigneur. Bâtis-nous, Seigneur, pour que, quelle que soit l'épreuve, nous n'en trouvions point une occasion de chute. Bien au contraire, que l'épreuve nous fasse aller de l'avant. De même qu'on passe des épreuves pour aller en classe supérieure, que chaque épreuve nous fasse aller de l'avant. Que chaque épreuve nous fasse entrer dans la prochaine dimension. Que chaque épreuve nous fasse rencontrer davantage de grâce. Que chaque épreuve nous donne, Seigneur, d'expérimenter encore du surnaturel dans nos vies, de la manifestation et des opérations divines. Père céleste, aide-nous à croître. Aide-nous à croître, non seulement dans ta connaissance, mais dans la vie de la foi. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Toujours dans 1 Pierre 2, en son verset 20, il dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien,
Il dit, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ lui-même, lui aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Regardez verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la boue duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce qu'il dit. Tu vas dire encore au Seigneur de t'accompagner dans ces choses afin que tu ne tombes point. Pendant que tu pries, prie pour quelqu'un dans l'église, prie pour un frère, prie pour une sœur qui est nouvelle ou qui est ancien, mais qui passe par des épreuves et qui ne comprend pas, qui condamne tout le monde autour de lui, qui est en train de murmurer, de parler, qui est en train de pécher. Bien-aimé, pense à quelqu'un et prie pour lui ce matin à partir de ce passage. Paul pouvait dire, je fais mention de vous dans mes prières. Alors fais mention de quelqu'un dans ta prière ce matin. Fais mention du peuple de Dieu. Fais mention d'un frère, d'une soeur dont tu connais la situation. Qu'il puisse supporter patiemment la souffrance. Pendant qu'il fait ce qui est bien, on le radie de son service, qu'il n'accuse pas Dieu, qu'il ne trouve pas en cela une occasion de chute, mais qu'il supporte patiemment la souffrance. Pendant qu'il fait ce qui est bien, il rencontre un accident, sa vie est handicapée, qu'il ne murmure pas contre Dieu, qu'il supporte patiemment la souffrance. Pendant qu'elle s'occupe du Seigneur, on la divorce, on la chasse de la maison, qu'elle supporte patiemment la souffrance. Pendant qu'elle sert Dieu de tout son cœur, elle atteint un enfant depuis des années qui n'apparaît pas. Oui, qu'elle supporte patiemment, parce que notre Dieu dit dans 1 Corinthiens 10 verset 13, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez éprouvés au-delà de votre force, mais par la tentation ou l'épreuve il fera un chemin et il vous permettra de vous en sortir. Alors mon frère, ma soeur, quelle que soit l'épreuve, dis à Dieu, Seigneur, fortifie ce frère, fortifie cette sœur, donne-lui la capacité, Seigneur Saint-Esprit, de supporter patiemment, Seigneur, et trouve-lui, Seigneur, le moyen d'en sortir. Christ injurié n'a pas rendu d'injure, maltraité, il n'a pas menacé, il n'a donné de malédiction à personne. Mes frères, mes sœurs, on n'a point trouvé dans sa bouche des injures, de la fraude, rien de semblable. Bien-aimés, voilà ce à quoi nous devions ressembler. Alors prie pour quelqu'un et demande à Dieu de le fortifier afin qu'il soit capable. 1 Corinthiens 10, verset 13. Rima karada brokoto siate. Que Dieu l'aide, que la grâce de Dieu le fortifie, que la grâce de Dieu le soutienne, que la puissance d'en haut vienne le remettre debout, que la grâce de Dieu vienne l'équiper, la puissance de Dieu vienne le fortifier devant les calomnies, devant les méchancetés, que sa foi ne branle pas, que son âme ne trouve point cela d'occasion de chute, mais qu'il soit fortifié. Il dit qu'il soit fortifié, que Dieu prépare aussi le moyen de s'en sortir, le moyen d'en sortir, afin que par cette tentation, il puisse supporter cette tentation. Bien-aimé, que Dieu ouvre une voie, que Dieu fraye un chemin, que Dieu lui donne la capacité d'en sortir, afin qu'il puisse la supporter. Demande cette prière pour quelqu'un que tu connais, même si tu ne le connais pas. Dis à Dieu, Seigneur, tu vois dans l'église, tu vois le peuple, ceux qui sont affaibles, ceux qui tombent, ceux qui n'arrivent pas à se relever. Seigneur Saint-Esprit, fortifie-les et donne-les de sortir de leur épreuve. Est-ce la maladie? Est-ce le blocage? Est-ce le chômage? Problème financier? Quel que c'est, il prie, il évangélise, il paye dîme, tout ce qu'il y a à faire, il fait, mais l'épreuve perdure. Dis à Dieu,
Seigneur fortifie sa foi, donne-lui de supporter l'épreuve avec patience et qu'il puisse en sortir au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui attend son premier bébé. Saint-Esprit, tu la fortifies. Père, tu la fortifies afin que sa foi ne branle point, mais qu'elle soit édifiée, qu'elle reste stable au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur pour la guérison que tu accordes à ce frère, à cette sœur qui compte sur toi, qui s'attend à toi, pour laquelle la situation est impossible humainement parlant, mais avec notre Dieu rien ne t'est impossible. C'est pourquoi Seigneur, merci d'opérer le miracle de la guérison dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Je t'en prie, continue d'intercéder pour quelqu'un. Dis à Dieu d'apporter le baume de la guérison dans ce corps qui espère en lui, qui croit en lui, qui s'attend à lui, qui ne désespère pas, parce qu'il croit que le Dieu qu'il sert est le Tout-Puissant et qu'il a dit que lui, il est capable et rien ne lui est impossible. Que cette foi ne soit pas vaine, que cette espérance ne soit pas vaine, qu'elle trouve sa solution. Shama karia la berekete, équilibre koto subra katara la berekete. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci Père. Ya karianda bronosia kaperia galuduziata, akili baba babara da brokotoria kalundu brakata berekete. Au nom de Christ Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Regardez dans Luc 15, au verset 11 et 12. Il s'agit de l'histoire du fils prodigue. La Bible déclare que le plus jeune est allé voir son père et il lui a dit, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et regardez la suite. « Et le père leur partagea son bien. » Le père n'a pas dit je ne te donne pas. Le père n'a pas dit pourquoi je ne suis pas encore mort. Je ne veux pas te donner. La Bible dit le plus jeune a dit donne-moi la part de bien qui doit, regardez, qui doit me revenir. Ce matin, je veux que quelqu'un saisisse cette parole et qu'il parle à son père en lui disant, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Ce bien qui doit te revenir, peut-être c'est ton travail, peut-être c'est ta santé, je ne sais qu'est-ce que c'est, mais tu connais cette part de bien que tu attends depuis et que tu n'as pas encore vu. Tu vas lui dire, papa, regardez, le fils, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Alléluia. Et le père lui a donné sa part. Le père lui a donné sa part. Alors ce matin, toi aussi, tu vas dire au père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Gloire à Dieu. Et fais cette prière. Et pendant que tu l'as fait, présente, dis à Dieu, voilà la part de bien qui doit me revenir dans le travail, là, dans l'activité que je fais, dans cette église, dans cette famille, dans mon couple, dans ma maison, la part de bien qui me revient, qui est mon droit, qui est mon droit. Amen. Donne-moi cette part. Prie le Père, demande-lui ta part. Lima karada broto. Je veux entendre quelqu'un prier et dire à Dieu, oh Père, comme le fils prodigue, moi aussi, je viens demander la part de bien qui doit me revenir, qui doit être à moi, qui doit être pour moi, que tu as mis de côté pour moi, que tu as mis à part pour moi. Oui, le Père l'a mis là pour toi. Ça te revient. Demande seulement. Et quand le grand fils est venu dans la jalousie pour dire, mais pourquoi on peut donner le gros, le veau gras à ce petit qui est parti dépenser tout l'argent au dehors? Le Père lui a dit, mais tu as toujours été avec moi. Tout ceci aussi est à toi. Tu ne l'aurais qu'à demander et cela t'aurait été donné. Il y a des gens, tu ne vas pas loin. C'est pourquoi tu ne t'obtiens pas plus grand. Plus ta foi grimpe et tu as confiance et tu demandes grand, Dieu aussi te l'accorde. Alors ce matin,
Regarde à l'infinie richesse de l'héritage que le Père a pour toi et demande la part de bien qui doit te revenir. Demande parce que le Père est prêt à te le donner. Demande parce que le Père est sur le point de te donner. Demande parce que le Père est d'accord que tu demandes. Demande parce que le Père lui-même désire te donner. Alléluia. Oh sakaboria katarianda berekete libra no sabala kata labolotosi kaperia kata limamamandosi kaperia karodopre le bien, le bien, mon frère, tes ressources. Makunu marakata, ridiboroto siata, ridibababarabrokoto. Il y a beaucoup de biens, il y a beaucoup de biens, les biens sont divers. Demande la part de bien qui te revient, mon frère. Demande car le Père tient cela à ta disposition. Ribokutu siakata berekete, ramamamakarianda brokotosa, ibralakata, shekelere brokoto. Rundu brakata la rarabe, revere keteri bronosi, lima kariaka, dubarakata, ridibarakate, alléluia, shabarakata, Père, tu entends les cris de tes enfants, ibrakato siakata, lakutu brakata siate, ce matin, Seigneur, la part de bien qui revient à mon frère et à ma soeur, la part de bien pour vivre cette journée, la part de provision disponible pour cette journée, la part de bien qui doit être investie, Seigneur, dans le grenier de mon frère, de ma soeur, pour vivre cette journée, Seigneur, sans manque, oh Père, sans promener de regard inquiet, sans souffrir, sans douleur, que cette part de bien soit investie, cette part de bien soit accordée, cette part de bien soit donnée, Seigneur Saint-Esprit. Kanosi kaberia karundu brata, relebarata che, ibranoto subrakata, limarata brekete telerede boloto siata. Merci pour cette part de bien que tu as donné, que tu as accordé à mon frère et à ma soeur. Chandelerebre, kabutu siata, ratosi kalundu brakata berekete, yeridibrano sakalabata. Oh Saint-Esprit, sois glorifié. Amen. Tu vas prier la part de bien qui revient à l'église locale. Amen. Cette part de bien, bien en termes de brebis. Amen. Bien en termes de brebis, tu vas demander cela au Père. Alléluia. Proclamons cela. Toi qui nous suis, frères et sœurs internautes, demande cela pour l'église locale à laquelle tu appartiens. La part de brebis, la part de bien. Jésus pouvait dire, oui, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Alléluia. Donc, il y a des gens que le Père appelle spécialement pour le CIEMI à Côte d'Ivoire d'Ocuy. Il y a d'autres que Dieu appelle pour d'autres ailleurs. Amen. Alors, demande la part de brebis qui nous revient. Viens, rakotorianda branosia kaperiakata, ridibronosa kapeliakalutu branasa. Nous appelons, Seigneur, nous demandons, Seigneur, la part de brebis qui nous revient, la part d'hommes, de femmes, de jeunes gens, Seigneur, qui reviennent à l'église, la part de grâce, Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, oh Dieu, que cette part nous soit donnée, cette part nous soit accordée, Seigneur, ces brebis, ces hommes, ces femmes qui doivent revenir au ministère du centre d'évangélisation partout en Côte d'Ivoire, dans le monde. Seigneur, que cela nous soit donné au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, nous en prenons possession au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la part de bien que tu nous as donné dans cette église, la part de brebis, la part, Seigneur mon Dieu, oui, Père Céleste, de sauver, de convertir, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Tu veux encore prier pour ta nation, la part de bien que Dieu a réservé pour développer ton pays, pour faire de ton pays un pays de paix, un pays de grâce, un pays d'hospitalité, un pays où il fait bon vivre, un pays où tout le monde est accueilli et est à l'aise. Alléluia. Un pays dans lequel on ne vit pas de discrimination, de méchanceté. On ne vit pas, oui, mon frère, ma soeur, de toutes sortes d'atrocités, d'abominations. Non, la part de bien. Pas de malice, pas de fléau, de malheur, non, la part de bien. Alléluia.
proclamons cela. Prions pour nos nations. Excellent Père, nous prions afin que, Seigneur, dans nos nations, la part de bien que tu nous as réservée vienne. La part de bien que tu as préparée pour nous se manifeste. La part de bien, le bien, Seigneur, la vie de paix, la vie de développement, la vie de grâce, la vie dans laquelle, Seigneur, nous pouvons te prier, te louer en tout lieu, en tout instant, Seigneur. Oui, Père, nous prions que cette part de bien soit investie dans nos nations, soit investie dans les ministères, soit investie dans chaque région, dans chaque ville et village. Les biens matériels et financiers, mais aussi les biens spirituels, les biens de l'évangile. Limbro nosa kaparakata, le kariano rodobre, katosi kalundu barakata, reketetelerebebe, les hommes de Dieu qui doivent être suscités, les hommes de Dieu qui doivent être, Seigneur mon Dieu, équipés. Seigneur, tout ça, ce sont les biens que tu as relâchés pour nos nations. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que cela soit déversé en abondance au nom de Christ Jésus. Merci parce que nos pays sont riches des biens, des trésors spirituels, physiques, naturels, surnaturels, de cette provision surnaturelle que tu accordes à nos âmes, tu accordes à nos nations, tu accordes à nos vies. Béni sois-tu, Père. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Tu vas aussi prier la part de fléau, de malheur que l'ennemi a réservé à ta vie, à ta nation, à ton église. Tu vas les détruire au nom de Jésus. Amen. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, c'est au nom de Jésus également que je prie. Si tu as pour nous des projets de paix et de malheur et de bonheur, Satan a pour nous des projets de malheur, des fléaux, Seigneur, des événements tristes, des événements qui pour nous affliger, des événements pour en deuillé, mais ce matin, en vertu de l'autorité de Christ, nous exerçons autorité, Seigneur, contre ces œuvres sataniques, contre ces projets diaboliques, contre ces œuvres maléfiques. Nous les annulons sous les cieux, nous les révoquons dans nos vies, dans nos familles, nous les annulons au nom de Jésus. Nous disons tout ce que l'ennemi a planifié comme malheur, accident, incendie, noyade et quoi que ce soit, kidnapping. Nous commandons l'échec au nom de Jésus. Nous déclarons que ces agents échouent dans leurs œuvres au nom de Jésus. Nous décrétons que leurs mains soient rendues impuissantes pour accomplir ces projets maléfiques au nom de Jésus. Tout malheur, tout fléau naturel qui peut s'abattre sur nous dans les champs des frères, les incendies, Seigneur, nous déclarons l'annulation de ces projets. Nous déclarons l'annulation de ces incendies au nom de Jésus-Christ. Les inondations, Seigneur, nous déclarons l'annulation au nom de Jésus-Christ. Makariana brokoto shana berekete palita siakatumbarakata. Nous brisons le pouvoir des ténèbres. Nous renversons tout ce qu'il a planifié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous décrétons le jugement de feu de Dieu sur, Seigneur, ses œuvres, ses agents, ses planifications, ses pouvoirs occultes et mystiques. Nous déclarons le feu divin et nous les détruisons, nous les incendions, nous les réduisons en cendres au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour relâcher le feu de Dieu contre toutes ces œuvres des ténèbres, Père, et nous les détruisons une à une jusqu'à leur extermination totale. En cette journée, en cette semaine, en ce mois, en cette année, Père, nous prions. La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous savons qu'il a pour nous des desseins de malheur, des desseins de destruction, des desseins, Seigneur mon Dieu, pour endeuiller. Nous, mais nous les annulons, nous les détruisons. Toute mort préparée, nous commandons que cette mort soit vouée à l'échec. Toute mort, Seigneur, dans l'assemblée, nous déclarons que cette mort échoue, cette mort avorte. Au nom de Jésus, tout malheur, tout accident, nous commandons, Seigneur, que cela n'ait pas lieu sous les cieux. Au nom de Jésus, Père Céleste, par l'autorité que tu nous as donnée dans Matthieu 18, verset 18, de lier sur la terre, et cela sera lié aux cieux. De délier, cela sera délié également au ciel. Nous annulons le programme de Satan. Nous annulons les projets du diable. Nous détruisons ses plans et ses projets au nom de Jésus-Christ. Détruis également ses projectiles. Tout ce qu'il envoie, tout ce qu'il envoie contre toi, ses projectiles, ses armes forgées contre toi, anéantis-les.
détruis-les et déclare par le sang de l'agneau que cela est totalement anéanti. Car la Bible déclare par le moyen du sang, nous l'avons vaincu, nous l'avons vaincu, et par la parole de notre témoignage. Et tu parles, c'est la parole qui est là. Maintenant invoque le sang contre ses projectiles, contre ses flèches, contre ses armes, contre tout ce qu'il envoie, contre ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta femme, ton époux, dans ta famille, dans l'église, ta famille spirituelle, tout ce que l'ennemi envoie pour endeuiller, pour détruire, pour faire du tort, pour faire du mal, pour causer du tort, causer du mal, détruis cela par le sang de l'agneau, étouffe cela, neutralise cela, paralyse cela, rend cela incapable d'agir contre la vie de qui que ce soit, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Nous décrétons, Seigneur, toute annulation au nom de Jésus. La contagion n'entrera pas dans nos maisons. Oui, Père Céleste, les fléaux n'entreront point dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Ramakati bolotosiata, ribakalikatou marakate. Continue de prier, mon frère, ma soeur, contre les œuvres des ténèbres. Dans Ésaïe 49, il déclare, oui, oui, mon frère, ma soeur, kabakato brakata, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Oui, dit la parole, le butin lui sera arraché, quel que soit le butin que l'ennemi a fait sur ta vie. La Bible dit, le Seigneur dit, il arrache ça de ses mains. Déclare ce matin que toute proie, tout ce que l'ennemi a pris, tout ce dont il a fait prisonnier, tout ce qu'il a pris en otage, ce matin, arrache cela, tes ressources, tes biens. Regarde, le Père dit qu'il te donne tout ce que tu as demandé, mais par moment, tu as du mal à voir cela se réaliser dans ta vie, parce qu'il y a un ennemi qui lutte avec toi tes biens, qui lutte avec toi ta grâce. Alors commande tout ce qui a été pris en otage soit restitué ce matin, tout ce qui a été volé soit rendu ce matin, tout ce qui a été pris soit restauré au nom de Jésus. Arrache ton bien, prends possession au nom de Jésus. Commande à cet ennemi qui dit qu'il jure que toi tu ne jouiras jamais de ton bien, de ton héritage, et tu n'accompliras point cette destinée. Mon ami, dis-lui au nom de Jésus, tu marches sur son pouvoir et sa puissance. Luc 10, 19 te dit, il t'a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Alors déclare ce matin tout pouvoir qui a été relâché contre toi depuis le monde des ténèbres pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, de l'accomplir, pour te mettre KO, pour que tu n'accomplisses pas les plans de Dieu, pour que tu ne vives pas la vie chrétienne victorieuse. Tu es tout le temps en train de te confesser de l'alcool, tu es tout le temps en train de te confesser de la masturbation, tu es tout le temps en train de te confesser de toutes ces œuvres sexuelles immorales. Mon ami, déclare à l'ennemi, tu étais comme son butin, tu étais son prisonnier, il avait fait une capture sur ta vie, mais la Bible dit la capture faite sur le juste échappera, elle échappera. Alors proclame que tu échappes aux œuvres des ténèbres, tu échappes à la main de l'ennemi, tu échappes à ses programmes, à ses projets, à ses ruses, au nom de Jésus. Tu ne le serviras plus, tu ne lui rendras plus service, tu ne feras plus sa volonté, tu n'accompliras plus ses plans, tu n'agiras plus pour son compte. Non, finis sa domination sur ta vie, finis son règne dans ton cœur, finis ses œuvres au nom de Jésus. Dégage-toi, mon frère, dégage-toi, ma soeur, et déclare que son règne prend fin ici et maintenant. Il ne te t'assujettira plus et tu ne vivras plus dans ses plans, dans ses desseins, dans ses projets, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Rano sakaberia kalundu parakata. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour le sang. Alors ce matin, entoure ta maison par une muraille de feu. Une muraille de feu. Une muraille de feu. Déclare que la muraille de feu de l'Éternel entoure ta vie, entoure ta maison, entoure ton business, entoure partout où tu passes. Cette muraille de feu est avec toi. Oh, kabaria kantele bolotosiata.
Randa barakatorianda berekete chentelere brokoturianda barakata limbulutusi katubarakate reba babaroto sikata lararabe runtusi akatarianda barakata kalinde bolokoto luku tulurudu barakata yenne baloto sikaberi karutu brakata. Merci Seigneur qu'il nous entoure de sa muraille de feu tout au long de ce jour, tout au long de cette semaine, tout au long de cette année. Même ton véhicule, quand tu te déplaces, le transport en commun, dès que tu es dedans, que la muraille de feu soit là-dessus et qu'aucune ruse de l'ennemi, aucun piège de l'ennemi ne puisse t'arrêter, ne puisse provoquer incident ou accident, que tu marches et que tu croisses, que tu ailles de l'avant, que tu progresses et que tes progrès soient évidents par la puissance de feu, par la puissance de feu, par la puissance de feu qui t'environne, qui t'entoure dans ton sommeil, dans ton éveil. Tu es un invincible, un indomptable. Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu t'accompagne. Ma calibro tosiakata. Radabarakate, tes enfants, ta maison entière, l'église de Jésus. Ibra lokatarianda. Ce matin, nous relâchons la muraille de feu de Dieu. Ibra lotosiakata la rarababa. Par le Saint-Esprit, et nous proclamons que le règne de Dieu est effectif dans la vie de chacun. Le règne qui vient avec la paix de Dieu. Le règne qui vient avec la joie de Dieu, le règne qui vient avec la justice de Dieu, le règne qui vient avec la puissance de Dieu. Que ce règne soit établi dans la vie de tous, établi dans les affaires, établi partout où nous sommes, ce que nous faisons, que ce règne nous accompagne au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh kariando branasia kata. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi. Sois béni dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour cette journée? Excellent Papa, nous bénissons ton nom et nous sommes reconnaissants parce que tu es notre Père et notre Dieu. Tu nous as donné de pouvoir te parler. Merci Père. Tu nous as aussi parlé à travers ces différentes écritures que nous avons parcourues. Nous gardons ces paroles dans nos cœurs et nous disons que cette journée pour nous est une journée encore de témoignage de la puissance de Dieu dans nos vies. Père, merci parce que tu nous as devancés. Merci parce que tu as aplani nos sentiers. Merci parce que tu as déblayé nos voies. Merci Seigneur parce que les anges qui campent autour de nous sont là pour nous accompagner en sorte qu'aucun danger ne puisse nous atteindre. Sois béni Père. Merci pour le surnaturel divin qui est déployé en notre faveur. Nous marchons sous le ciel ouvert, dans les miracles, dans la victoire, dans le triomphe, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Dans ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as transformé mon cœur rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime pour l'éternité.